Salut à tous les amis, Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur DMZ pour une mission qui s'appelle Dispersion. C'est une mission de la Shadow Company. Il va falloir récupérer les plans de la planque de Connie dans un hélico de commandant. Après, il faudra lancer une grenade leurre dans la planque pour faire sortir les gardes et extraire les renseignements récupérés à l'intérieur sur les gardes de Connie. Donc c'est plutôt pas mal, franchement. Ça a l'air plutôt sympa à faire et je remercie tout de suite Endemon qui m'a envoyé son gameplay pour pouvoir faire la vidéo rapidement. J'espère que vous allez bien. Si vous jouez à DMZ, que vous cherchez des gens ou des informations, si vous cherchez des mates pour jouer, que vous soyez sur PC ou console, n'hésitez pas à passer sur mon Discord, le lien se trouve juste dans la description, juste en dessous. N'hésite pas à passer, on est plein à s'entraider, on est plein à jouer tous les jours, toute la journée, la soirée, il y a du monde, n'hésite pas à passer et on t'accueillera sur DMZ, sur les salons DMZ, sur mon Discord. Bon, alors, pour faire cette mission, d'abord, vous pouvez partir sur Ashika, c'est une bonne idée. Vous pouvez avoir un hélicoptère de commandant qui va arriver. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est pour pouvoir le finir rapidement. Vous savez, cet hélicoptère avec le c'est un hélicoptère boss, on va dire. Vous avez, pour être sûr que c'est un bon hélicoptère, vous avez son insigne, l'espèce de truc blanc au-dessus, comme ça vous êtes sûr, hein, au cas où, si vous êtes débutant sur DMZ. Donc celui-là, vous pouvez le défoncer, franchement, avec une boîte de mun si vous tirez à 3 dessus. Et sinon, vous pouvez même activer une tourelle pour le défoncer plus vite. Une fois qu'il va péter cet hélicoptère de commandant, vous allez aller dans la cargaison. Et dans la cargaison, vous allez avoir des plans de la planque là-dedans. Donc vous allez voir, c'est ça qu'il va falloir récupérer. Donc une fois que vous avez récupéré l'item, ça va valider la première partie de votre mission. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est aller lancer une grenade dans la planque pour faire sortir les gardes. Alors, on va tout de suite aller à la planque. Et là, vous voyez à l'écran les plans, parce qu'il y a une petite description avec un texte qui vous donne des informations. Et la planque sur Ashika se trouve au Town Center ou au centre-ville. Vous voyez bien sur la map où c'est. On se retrouve là-bas tout de suite. Ok, c'est bon, ils sont en train d'arriver à la planque. Alors vous voyez, elle est bloquée, la porte, et ce qu'il va falloir faire du coup, c'est trouver la fenêtre pour envoyer une grenade leurre à l'intérieur. Donc vous avez plusieurs fenêtres, essayez de le faire exactement au même endroit qu'eux, puisque là vous voyez, ça bloque ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est trouver la bonne fenêtre, et je vais tout de suite vous montrer où elle est. Comme ça, vous pouvez bien la voir tranquillement. Donc ici, vous allez pouvoir vous repérer normalement et vous allez voir dans 2 secondes où il faut envoyer cette grenade leurre. Du coup, bah, acheter des boîtes de mun pour reprendre des grenades leurre. Ça peut être vraiment utile. Et là, vous voyez, il y a une des fenêtres qui est ouverte. Il va falloir la lancer dans celle-là. Elle va rentrer dedans facilement, la grenade leurre. Vous allez voir, hop, c'est parti. Et là, ça va marcher et ça va faire sortir les gardes. Bon, disons que ça va pas les faire sortir peut-être, mais ça va vous ouvrir la porte. Vous y allez, et là maintenant, il va juste falloir extraire des renseignements récupérés à l'intérieur. Vous les voyez ici, mission de transport, c'est bien ça les renseignements. Et vous n'aurez plus qu'à extraire maintenant pour pouvoir terminer la mission. Et voilà, du coup, vous allez valider la mission dès que vous allez être extrait. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a pu vous aider. Merci encore Endemon. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous, c'était Altis. A plus tard, les amis.